Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la prochaine bataille qui va être celle. Elles vont être plusieurs, hein. Je suis avec Valentin. Salut Valentin. Bonjour. Alors, les batailles, comme je le disais, ça va être pour la campagne de Russie. Vous êtes sur le Discord des Templiers et Valentin va vous expliquer un peu la démarche qu'il a initiée pour faire jouer sur Napoléonique. Donc le concept est assez simple, en fait c'est une suite de 5 batailles qui vont se faire dans le contexte de la campagne de Russie de 1812, donc avec les corps historiques de 1812 sur des maps historiques. Donc c'est Valentina Gora, la Moskova, aussi connue sous le nom de Borodino, ensuite Malo Yaroslavet, Krasnoï et la Berezina. Et le concept en fait c'est que les joueurs ont à disposition des corps d'armée, ils peuvent choisir de prendre des unités dans les corps d'armée, donc ils ne sont pas obligés de prendre tous les corps d'armée à chaque fois, ils prennent de ce qu'ils veulent. Et à l'issue de la bataille, les unités qu'ils ont perdues dans leur corps d'armée sont perdus pour toute la campagne. Donc le but, c'est d'inciter les joueurs à faire des choix stratégiques sur les unités qu'ils vont prendre et de pas, par exemple, engager la garde dès la première bataille, puisque la garde, c'est vraiment une réserve ultime. Donc le but, voilà, c'est de changer un petit peu la façon de jouer dans un 2v3 pour un mode de jeu qui est un petit peu plus porté sur le choix, plus sur le long terme des unités. Puisqu'on va voir qu'il y a des unités qui vont être engagées dès la première bataille, par exemple, qui risquent de manquer pour les suivantes. Donc il n'y a pas le choix comme on pouvait trouver sur des parties random. Voilà, là on est vraiment limité au corps d'armée 1812. Ils ne sont pas tous présents à chaque bataille, mais les joueurs peuvent dans tous les cas choisir les unités qu'ils veulent dans les corps présents. Les locks, je vois, il y a une carte là, c'est Krasnoï et il y a quelques règles. D'accord. Il y a quelques règles spécifiques parce que, par exemple, pour Krasnoï, l'Empire avait dans l'objectif, dans la réalité, de pouvoir passer seulement, pas forcément de contrôler le terrain. Donc c'est modélisé par le fait que l'Empire n'a pas besoin de tenir les locks, mais seulement de tenir une partie des points de victoire pour modéliser le fait que, en fait, l'Empire voulait forcer le passage pour faire passer les corps d'armée plus vers l'ouest. Ok, bon bah voilà, vous avez les grandes lignes des parties, le cadre dans lequel elles se sont déroulées. Maintenant, et ben on va directement sur le terrain de jeu. Nous voilà sur Valentino machin chose. Tu peux Valentino nous... Gora. C'est ça. tu peux nous remettre un petit peu dans l'histoire de la bataille. Ouais, tout à fait. C'est une bataille qui s'est déroulée juste après la prise de Smolensk, donc au début de la campagne de Russie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'armée russe a essayé de retraiter, mais à cause de la très mauvaise organisation qu'ils avaient à ce moment-là, leur armée se sont un petit peu éparpillées partout sur les petits chemins, et ils se sont retrouvés tellement près des Français qu'ils ont été obligés d'accepter la bataille. Ils étaient vraiment trop près pour pouvoir partir directement. Donc à partir de ce moment-là, les Russes ont livré la bataille dans une position assez défensive. Et bon, les Français ont quand même réussi, en particulier grâce à la division Gudin, dont le général est mort dans cette bataille. Ils ont quand même réussi, les Français, à reprendre les positions et à faire partir les Russes, mais ils n'ont pas vraiment réussi non plus à anéantir ou désorganiser totalement l'armée russe. Bon, on est sur le terrain de jeu. Là, je vois que j'ai pas les étiquettes puisque j'ai dû jouer à Napoléon Eagles. Est-ce que ça te gêne? Non, pas particulièrement, je pense. Ok, bon, on va rester comme ça alors. Alors, dis-moi, là je suis sur le village. Alors, c'est bien que tu ouvres la mini-map. Donc, justement, il y a un truc à noter pour cette bataille, c'est que dans le cadre de la campagne 1812, donc, on a mis des règles un peu spécifiques. C'est que le but de l'Empire, là, ça va pas forcément être de gagner au lock simplement, mais surtout de couper la route de Moscou aux Russes. Donc, pour ça, il faut qu'ils prennent un lock à 2 et à 4. Donc la Loka 2 qui est juste devant toi et Loka 4 à Lubino qui est un petit peu derrière. D'accord. Donc ça fait qu'ils vont être forcés en fait de faire une sorte d'attaque un petit peu au centre, même s'ils vont aussi exploiter les flancs évidemment. Et donc pour nous, parce que moi j'étais côté coalition, donc, notre but ça va être de prendre des positions défensives et de gagner du temps puisqu'on sait qu'on n'a pas forcément l'avantage sur cette bataille. Donc en temps c'est une partie à 60. Là tu es donc... on est sur la gauche. Quand vous avez fait vos armées, vous avez pris celle qui était imposée, c'est bien ça? Ouais. Alors du coup, on avait un petit peu de choix quand même parmi les corps à prendre. On a misé sur le fait de prendre des armées qui n'étaient pas forcément les plus fortes, mais dont on n'allait pas à manquer plus tard, parce qu'on savait que la bataille suivante c'était quand même la Moskova, donc qui est une très grande bataille. On s'est dit que là, on pourrait peut-être se débrouiller avec des armées un petit peu plus faibles, vu qu'on était en position défensive.
Donc on a misé sur ça en prenant des armées avec beaucoup d'infanterie au final. Et à côté de ça, un corps de cave. Mais c'est pas du tout de la cavalerie lourde, c'est quasiment uniquement des dragons et de la cavalerie légère. C'est moi qui jouais la cavalerie, le corps de cavalerie donc. Donc là sur la gauche, c'était pas toi. Hein. Non, c'était Bur là sur la gauche. Avec le corps de Bagotov. Bagobout, pardon. D'ailleurs, à noter qu'il avait pris uniquement une partie du corps de Bagobout et que c'était Kellerman qui avait l'autre partie du corps de Bagobout. D'accord. Ouais, là, le but c'était d'avoir le minimum de pertes et de gérer. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans la démarche, vous gérez des batailles sur le long terme. Et là, le but c'était pas de perdre des unités trop importantes, puisqu'on savait que c'était pas une bataille extrêmement décisive quand même. C'est plutôt une petite bataille, hein, historiquement. Voilà, tout le monde s'est barré. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, ils sont de l'autre côté à droite. Ça, c'est mon corps de cavalerie. Ah, donc ouais. J'ai quand même des. Non, l'autre droite. La droite à. D'accord. La bonne droite, à gauche. Voilà. Okay. Donc là, ouais, on voit que c'est quand même des gros dragons. Même le plus gros, il a 120 cavaliers. Donc c'est quand même des grosses unités assez coûteuses. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Assez qualitatif. Après. C'est pas. Ça reste des dragons, donc ça fait pas le poids face aux cavaleries lourdes de l'Empire. Parce que pour le coup, eux ils ont fait un choix un petit peu différent, c'est qu'ils se sont dit que vu que nous on allait avoir des armées un petit peu faibles, ils allaient pouvoir normalement tanker un peu vraiment fortement en prenant des armées un petit peu plus fortes. Quoi. Bah on va voir ce qu'ils auront pris. En tout cas, t'as beaucoup de dragons, t'as pas de grosse cavalerie. Non, j'ai pas de cuirassiers, j'ai des cavaleries légères, là on voit des moulamis. Beaucoup de dragons russes. Après, bon, ça reste un petit corps de cave. C'est pas des cuirassiers. Ah, t'as quand même pas mal d'unités là sur. Ouais, ça fait beaucoup de dragons. Après, pas beaucoup de grosses cavaleries, donc c'était pas évident. Et tes petits camarades de jeu là, un petit peu. Alors là, au milieu, c'est l'armée de Pyrrhus, donc qui avait une armée à petits points. Voilà, c'est une 5 points, c'est un mal Tolstoï. Donc. Avec pratiquement pas de cavalerie, là on voit juste une petite cavalerie légère, vraiment pas du tout adaptée au combat, hein, c'est une cavalerie de reconnaissance. Quoi. Et après beaucoup d'infanterie finalement, avec quelques unités très qualitatives, en particulier les infanteries légères, qui sont rapides, assez efficaces, voilà, comme celle-là exactement. Et quelques unités d'infanterie ligne qui sont un peu moins bonnes quand même, hein, parce que c'est une 5 points, c'est pas encore très très bon. Donc là par contre pour le coup il avait pris quasiment toutes les unités disponibles dans ce corps d'armée. Donc on savait que s'il était détruit, ce corps d'armée il était quasiment détruit. Quoi. D'accord, là tiens, il y a des sapeurs qui ont posé les mines. Il a mis des sapeurs avec des mines devant sur la route. Ok, bon, moi, en toute manière, là on n'a pas les étiquettes, mais on sait que c'est de la ligne. Là c'est de l'équivalent de la légère. Légère, c'est des Jaeger. Donc les Jaeger, un meilleur tir. Là, notre strat, en gros, c'était que l'armée qui est en face de toi, donc un peu sur la gauche, en regardant par l'autre côté, elle allait retraiter pour essayer de défendre la forêt qui était sur la gauche de Pyrrhus. Pyrrhus, il allait tenir, et une fois qu'on serait assez regroupé, on allait tranquillement reculer pour prendre une position plus défensive derrière la rivière. Ah, ok. Ouais. C'était ça. Ah, oh, je l'avais pas vu, l'autre Yu-Yu derrière. Ouais, ça, c'est l'armée de Kellerman qui avait du coup l'autre partie du corps de Bagobot. Ok. Avec de la grosse artillerie. Ah oui, vous étiez sur du 4v4. Oui. Pas simple à organiser, hein, les 4v4 quand même. Les joueurs étaient assez actifs, ils prévenaient avant, donc il n'y a pas eu de. Ah, c'est parti mon kiki. Hop, on va passer devant un petit peu. Donc, le contact il va être rapide là quand même. Hein. Voilà, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment une bataille de rencontre où les deux armées ont été obligées de se battre et les Russes étaient vraiment très près de l'ennemi dans la bataille sauvage. Et puis il n'y a pas de suspense sur la fin, après vous pouvez changer l'histoire du coup là dans votre campagne. Donc en face tu sais qui joue? Oui, alors là c'est l'armée de Sourire, il me semble, avec le corps de nez. Il avait pris pas forcément les meilleures unités du corps de nez, puisque c'était pas une bataille. Nous sommes battement retraite, là c'est des unités portugaises par exemple. Bah tu commences bien, là, bravo. J'ai directement perdu en Cosaque parce que c'était pas assez attentif. Donc c'est une cavalerie westphalienne, donc la Westphalie qui était jouée par Denver. Qui est une armée à 7 points, mais qui est quand même assez sympathique, hein, la Westphalie, c'est pas mauvais.
Ah, puis là, c'est vrai que la campagne de Russie réunit l'ensemble de l'Europe, de l'Empire, face à la Russie. Même dans les corps contrôlés par, enfin, dirigés par des maréchaux français, qui étaient officiellement des corps français, il y a quand même une grande quantité d'unités étrangères, quoi. Ben là, on le voit, le corps qui est juste en face de nous, là, il y a beaucoup de Portugais, notamment, et d'autres nations, il me semble, de la Confédération du Rhin. Donc là, voilà, on a l'armée de Tyrus qui essaie de gagner du temps pour permettre aux autres armées de manœuvrer et de se regrouper. Ah, il a pu marcher sur ses mines sans péter, lui. Oui, bon, les mines, c'est une technologie un peu spéciale dans tous les trois. C'est ça. Je surveille. Alors, de toute manière, tu me diras, hein, comme tu connais la bataille, je suis pas inquiet. Je vais rester sur le centre là, puisque. Bon, il n'y a que quelques escarmouches de cavalerie sur les flancs pour l'instant, c'est assez difficile. Mais les sapeurs ont fait leur job et bloquent la route, si possible, à la cavalerie. Enfin, ça va gêner, mais. Ouais, ça va pas Retarder. l'arrêter, mais voilà, le but c'est vraiment un combat de retardement dans le but de gagner du temps. Alors il y a une prise de skirmisher, mais. Oh, il a été fusillé avant d'arriver. Donc là, ce qu'on voit là sur la gauche, c'est le corps de Davout, donc le corps le plus solide de la campagne de Russie après la guerre impériale, avec beaucoup d'infanterie, donc vraiment de très grande qualité. Pas forcément beaucoup de. Là, c'est qui bouge vers. Là, c'est l'armée de Bure, avec une partie du corps de Babouton. Qui dégage, ouais, ok. Genre, ah, il savait que contre Davout, il ne pouvait pas faire le poids, donc il a même pas essayé de retarder. Alors, toi, t'en es où avec ta cavalerie là? Là, il y a une partie de ma cave qui est là, une partie qui est passée derrière la forêt. Le but, c'est quand même d'essayer de rejoindre les autres parce que ouais, il y avait quasiment que moi qui avait de la cavalerie. Donc, ah, ouais, je te vois arriver là. Ok. Aïe! Oulala! Aïe, ceux-là, aïe! Une tentative pour prendre l'artillerie en face, mais ça n'a pas été. Ah, ça va, ils ont repris du poil de la bête. Après, il a quand même la lock, la rivière pour les ralentir. En fait, le problème là qu'on va vite voir, c'est que tu pourrais potentiellement tenir l'armée sur la face de lui, mais le problème, c'est que sur sa gauche, il y a le corps de Davout qui arrive, sur la droite, il y a le nouveau Italien. Donc ça va vite être très compromis comme position. Ouais, là pour l'instant, ça le fait. Ta cavalerie est là pour soutenir. Allez, il a une sacrée masse de manœuvres aussi. Il y a vraiment un peu de tout dans ce corps d'armée. Il y a des très bonnes unités là. Celle que tu regardes, c'est plutôt les bonnes unités, donc les Français par exemple. Et à côté, tu as des unités étrangères, je ne saurais pas dire de quel pays. Enfin, là, c'est les Français, mais. Entre les deux, il y avait d'autres unités, je ne saurais pas dire exactement d'où. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a des bonnes unités et des unités inférieures. Et là, on a tenté une charge de dragon. Dans le but vraiment de le désorganiser pour éviter qu'il puisse trop pousser sur la droite du Tyrus. Ah, j'imagine que la communication était costaud, là. Ouais. Après, ça va parce que pour le coup, il n'y avait qu'une armée qui était vraiment engagée. Là, c'est que maintenant que Bure commence à être engagé, donc. J'étais assez concentré sur le monde. Ah, il y en a un qui a tiré plus vite que les autres là. Ah, ils mettent le temps quand même à. Aïe. Ouais. Mais... Il était d'impressionner l'ennemi en restant. Ah, il a peut-être coupé le feu là parce que. Pas tirer, c'est pas non. Alors je remonte, hein, je reviens ici parce que c'est vraiment là que. Ouais. Là, on voit les unités westphaliennes de l'avant-garde qui commencent à arriver, notamment les tirailleurs. Ouais. On n'a rien malheureusement pour défendre la loque qui était à droite, vu qu'ils avaient que la cavalerie à ce endroit-là, donc on va pas essayer vraiment de défendre la droite. Ah, ça prend là la. La fumée sur le champ de bataille est en train d'envelopper les troupes. Parce que la fumée et la forêt, c'est assez dur de voir ce qui se passe précisément. Ouais, là, c'est avec un plan montgolfière, hein, comme on les aime, t'as les renforts qui arrivent. Donc, il va lui s'établir en position défensive sur le secteur. Et là. Là, on a beaucoup Bure qui est
un petit peu trop près de l'ennemi pour pouvoir vraiment reculer facilement, mais on va essayer de faire reculer. Les charger les tirailleurs, parce que c'est que les tirailleurs australiens sont très très bons, ils ont vraiment une très bonne précision et un bon rechargement, donc vous savez qu'ils allaient poser des problèmes plus tard. Quitte à faire une petite cave légère, je me suis dit ça aurait peut-être le coup d'aller prendre des tirailleurs. Ouais, il y a de l'économie là-dedans, de la rentabilité. Alors je me promène sur le champ de bataille parce que là on voit quand même que la ligne de tir est énorme. Voilà, mais après ça va être des combats en forêt, à longue distance, pour l'instant on ne fait pas des dégâts énormes. La vache. Par contre l'artillerie c'est... Ah il va pas la chercher, il va direct sur un carré. Ouais, il devait penser qu'il pouvait pas le carré. Mais... Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on ne voit plus. Oh la vache, il y a... Alors là on voit les colonnes qui arrivent. Probablement de la très bonne avancée de ligne, on va prendre la ligne. Notamment le 57ème de ligne. Voilà, là on voit clairement que le but pour lui c'est d'aller chercher à la mêlée tant que je pense qu'il peut quoi. Ah, il y va plein de balles, ouais. Là il est un timing un peu malheureux, mais ça attend. Donc là on était quand même assez inquiet parce que bon, le corps qu'avait Bure à cet endroit là c'était pas le plus solide. Je l'ai tenté par la qui était... Nous sommes battus en retraite. T'étais là aussi toi? Ouais, là j'ai commencé à envoyer dragons, là c'était pas forcément des caves à moi, mais j'ai des dragons qui sont en train d'arriver là. Voilà. Alors le but d'essayer un peu de désorganiser l'attaque ennemie pour pouvoir faire gagner du temps et après pouvoir faire reculer Bure tranquillement quoi. Alors tout à droite. Le Vesphalien est en train de passer. Ils ont pas trop de caves, les Français, pour l'instant. Justement, c'est ce dont vous avez parlé, c'est que là, on a vu trois corps français pour l'instant, parce que le quatrième, c'est un corps de cavalerie, c'est le corps de Murat. D'accord. La réserve générale de cavalerie. On n'a pas encore vu. Ça, peut-être, c'est une cave de Murat, je ne sais pas. Là, c'est une cave légère, donc c'est pas... Ah, il va prendre un revers l'infanterie. Ah bah ouais, non, c'est pour ça. Les dragons qui sont en train d'arriver là pour ça. Ça va pas bien se passer. Le bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Donc j'imagine que ça, c'est la. C'est votre droite. Ouais, c'est le Westphalien qui a pris la maison à droite. Ah, il est déjà bien installé, hein. Côté français, ça. Ouais, puis beaucoup de unités font le carré, donc c'est pas vraiment possible d'exploiter plus avec la cavalerie. Ouais, et puis là, t'es dans la forêt. Ouais. Et on voit que ça a permis quand même de le stopper un petit peu pour qu'il tire sur ma cave, ça a permis à Bure de reculer sur l'infanterie et pas être trop accroché. Ah il reste. Nous sommes battus en retraite. Tout ça c'est Bure là. Ouais. Ça va, ça il va. A perdu 3 unités je crois. Ouais ça va. J'ai toujours 3 de trop mais c'est pas grave. Ça a géré. En tout cas, bah avec le flanc Westphalien. On voit bien que le Westphalien arrive, donc c'est plus tenable comme position. Carrément entouré sur le reste là. Il reste du monde quand même. Hein. Oh la vache, la forêt commence à péter. Voilà, ouais, marche arrière. A vraiment tout reculé en même temps. Bon, c'est pas très mieux quand même. C'est un peu dangereux comme valeur. Mais tant que la cavalerie est là. Ouais, c'est... voilà, c'est ça. Ouais, lui aussi, de toute manière, il voit les mines. Donc c'est juste gênant. Et pour l'instant, on n'avait pas encore vu la cavalerie du corps de Murat, à part quelques petits éléments par-ci par-là. Mais bah, vous saviez qu'elle existait, mais. Ouais, on savait qu'il était là, mais on ne savait pas où. Donc là, pour l'instant, la loque à droite est perdue. Ouais. Après, on sait que c'est pas l'objectif premier, les loques, c'est. Le but, c'est de gagner du temps avant de traverser la rivière et éventuellement leur faire quelques pertes sur les premières positions défensives, mais le but, c'était pas de tenir sur le long terme. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les joueurs sont sur le Discord. C'est des joueurs qui connaissent le jeu, donc ça envoie quand même du pâté. Hein. Oui, surtout que là, pour le coup, on avait vraiment discuté un peu de ce qu'on allait faire avant. On s'était bien mis d'accord, c'était assez clair. Mais... Oui, et du côté français, ils ont la même possibilité. Exactement. Ouais, une batterie qui est tombée ici. Oui, c'est pour qu'il a été pris par une cavalerie de Murat qui est passée sur le côté, qui a surpris. Une petite artillerie quand même. Là on voit les grosses cavaleries à gauche. Ouais, parce que là c'est ce que j'allais dire, le brouillard de guerre fait son œuvre. On a l'impression que le français a disparu, mais déjà il y a la forêt. Voilà, ils sont beaux, carabiniers. Ouais, ça, c'est... ouais, je crois que
c'est pas un carabinier, mais c'est un canon. Ouais, c'est pas bien. Ah ouais. Ah non, pas un mitraillette, pardon, sacre. Ok, autant pour moi. En fait, non, je sais pas trop. Je saurais pas te dire exactement. Après, hop là, bon, disparu. Pas des gros cuirassiers français, hein. Ah, c'est ce que je dirais assez régulièrement quand il y a des vidéos comme ça de bataille de la campagne de Russie. Là, on a vu les cuirassiers avec leurs fusils, mais bon, comme on sait, tout le chemin qu'ils ont parcouru, au bout d'un moment, leurs fusils... Oui, en général, ils l'avaient perdu par hasard. Ouais, voilà, ils n'avaient pas fait exprès. Après, l'idée était pas conne, dans le sens où très vite, ils ont vu les nuées de Cosaques poser des problèmes sur les lignes de ravitaillement et puis sur les petits détachements en maraude. Donc, oui, c'est vrai, mais le problème aussi, c'est que ça alourdit quand même les chevaux. Et entre ça, le sabre, etc., ça fait... Oui, et clairement, les cuirassiers ont laissé ce matériel de côté parce qu'ils pouvaient juste pas trimballer ça sur des centaines et des centaines de kilomètres. Ce qui est un peu moins connu, c'est le cas des lanciers. Pour eux, c'était encore pire parce qu'en plus d'avoir la carabine, les pistolets, le sabre, ils avaient aussi leur lance. Oui. Ça fait qu'en pratique, il n'y a que le premier rang en général qui avait des lances. Exactement. Le deuxième ou troisième rang, il n'y avait pas de sabre. Ouais, et puis l'engagement, la lance était impressionnante, mais à l'engagement avec des cavaliers, la distance étant plus réduite, à un moment ou un autre, ça pouvait être compliqué. Donc là, on voit qu'on a un fameux pilon, on a pris un petit peu d'avance par rapport à leur infanterie, mais c'est pas encore vraiment très Après aussi ils ont le brouillard de guerre et comme ils n'ont pas de cavalerie sur l'avant, ils sont obligés d'éclairer avec leur infanterie. Ouais, après il faut savoir que les tirailleurs comme ça a une portée de vue assez importante, donc ils voient quand même assez bien ce qui se passe en face. D'accord. C'est une unité d'avant-garde, hein, donc c'est pour dans le but aussi d'éclairer. En tout cas ça... Ça progresse, ils ont les sapres unités quand même là. Quand ouais. Tu étalais genre à la Napoléon Eagles sur 3 ou 4 ans. Ouais, c'est les grosses unités du corps de. Je crois qu'il y a croquet ici. Hein. Il y a des monde derrière. Contre-attaque dans le but d'essayer de prendre de l'artillerie et peut-être aussi un peu de gagner du temps pour organiser. Bon. Ça a pas été. Enfin, si, on a pris l'artillerie, mais contre nous sommes pas de ton retraite, monsieur. Ici. Ah oui, là ça a été ça a été moins probant là. Mais l'artillerie est prise. Voilà, on va dire ça. Oh la vache, là par contre la cavalerie... Ouais, là ouais. C'est la grosse cavalerie et c'est pas possible pour nous de la coupe pas comme ça. Ouais, là il est tombé sur un mur. Là c'est... Pour le coup c'est un petit peu le chaos. Ah, il y a une cavalerie française là qui s'infiltre. Ouais. Le problème c'est que là nous on est aussi dans la guerre donc c'est compliqué de manœuvrer comme ça. Ouais, t'as la flotte, t'as les tirs, t'as l'artillerie. Ça peut croiser du monde hein, tout ça. Ouais. Là on est à peu près reculé derrière la guerre. Le problème c'est qu'on n'a pas encore vraiment établi de position solide derrière la guerre donc on peut pas vraiment reculer les caves tout de suite. Le Westphalien, là, il ferme bien la porte. Ouais, il est en train vraiment de passer sur le flanc. On a quelques unités du Kellerman, il me semble. Il va tenir le flanc. Là, sur le centre, ouais, là, c'est malheureusement le cuirassier. Nous, on a qu'un seul dragon pour faire face au cuirassier, mais on a quand même l'infanterie à côté qui appuie, donc ouais. c'est pas particulièrement inquiétant. Faut juste qu'il se tourne dans le bon sens. Ouais, là, c'est... C'est plus inquiétant, mais ça va être très bon qu'il arrive sur le côté. Ça. Il faudrait un micro dragon dans sa dernière. J'ai assez pensé, à force de rester comme ça au combat, ils sont quand même fatigués, donc ils performent beaucoup moins bien.
c'est pour ça que ça nous, c'était pas non plus particulièrement embêtant de combattre les cuirassés comme ça, parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment rentrer sur notre infanterie et essayer de repartir. Il a l'air de prendre cher là. Ouais, sur le côté là, il y a une petite minorité qui sont face aux gros infanteries de Gabou. Voilà, là maintenant les cuirassés ils sont fatigués, ils sont face à une infanterie qui est bien posée, ils peuvent vraiment être. Ouais, il n'insiste pas avec l'artillerie. Ouais, ouais. Là, de toute façon, entre l'infanterie, l'artillerie et les casques qu'on a à côté, avec ses cuirs très fatigués, là, ils pouvaient pas. Donc là, à partir de là, on est assez satisfait, on a notre petite position défensive de l'autre côté de la rivière. Le problème qu'on va avoir, c'est que là... Hop. Alors, surtout, ne raconte pas la suite. Sinon, moi, tu me fais ça, j'arrête, je vais... Non, tu es un spoiler. C'est pas ce que je voulais dire. Je te jure. Heureusement que c'est pas Game of Thrones, hein, sinon là, on se faisait pourrir. Donc, pour l'instant, tu es satisfait. Pour félicitations. On remarque actuellement, voilà, on a pas de continuité sur ce champ-là. C'est pas non plus parfait. Ah oh, le Westphalien, il est entreprenant. Il a fait hein. Un grand tour et il a réussi à traverser la rivière là qu'on voit. Le Westphalien qui est pas mauvais. Donc, hein. Ouais. Bon là il tombe sur des carrés, c'est pas de bol. Ah il s'en tient. Il va retrouver ses potes, il devrait retrouver de la couleur là. C'est de la bonne cavalerie. Hein. Ouais, il a l'air d'avoir un petit peu de mal là quand même. Ça aille. Hop. Le Felbestadt là-haut, c'est chaud. Hein. Bur, il a dû. Là, c'était quelques unités qu'avec Kellerman à gauche même de Bur. Mouvement de cavalerie pour gagner 8 ans pour que l'infanterie ait le temps d'arriver. On remarque aussi qu'il y a une cave qui est passée derrière nous là. Combat de caverne. Aïe! C'est une cavalerie de Mural, je crois. Et là, c'est pas grave. Ah, là, elle doit se sentir seule quand même. Ça pousse bien du côté français, hein. Ça joue. Ouais, là, de toute façon, ils savent que là, on a une position défensive, on va plus avancer, donc c'est à eux d'avoir une. Ah, le tir il a beau être bon, et vous avez quand même des unités massives. Hein. Ouais, puis là on a quand même l'avantage de vous trouver. Oh. Ah, ça a dû faire péter les enceintes là, cette décharge. Ah, le problème c'est que même si on est dans la forêt, on commence à se faire un peu encerclé, donc on tire, on va pas avoir l'avantage. Le fait d'être dans la forêt, ça donne un gros bonus. Monsieur. Notre général est sous une attaque. Hop là, j'entends des clairons. Hein, c'est le Westphalien qui va atteindre l'autre bout de la rivière, là, l'autre rive. Et là, pareil, aussi, on est aussi en train de défendre la forêt de ce côté-là. Ouais, c'est vrai que là, par rapport à ça, déjà que ça tire pas mal. Alors ici, c'est dur pour le français. Une cavalerie ennemie là qui a avancé, j'ai eu peur qu'elle prenne l'artillerie. Ouais, là. C'est vraiment une grosse artillerie. Ah, t'avais intérêt d'avoir des yeux derrière les oreilles et des yeux supplémentaires. Ils vont
mouvement de cavalerie dans le dans l'infanterie ennemie, on le voit assez bien, mais il y a un petit peu de vie quand même. Bon, la situation... Là, c'est stabilisé, il y a, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros mouvements, à part le Westphalien quand même, qui arrive sur le fond. Ouais, après, vous avez peut-être la connaissance du corps par rapport à sa puissance et à ce qu'il peut par ouais, rapport bah, à là, on sait que le Westphalien, c'est de la bonne infanterie, mais c'est pas forcément beaucoup d'unités de charge, donc il va pas pouvoir aller très vite. Et il a de la cavalerie, mais il a comme petit cuirassier, c'est pas trop drôle. On n'était pas vraiment trop inquiété à ce moment-là. Même si on savait qu'on n'avait pas beaucoup d'unités face à lui, donc c'était pas non plus parfait. Là, la grosse incertitude, c'est où est la cavalerie de Murat, ouais. Ou de grenadier de Dabou, là, on sait pas comment ils sont. On se doutait qu'ils n'avaient pas dû trop bouger depuis tout à l'heure, mais... Ouais, pour l'instant, ouais, vous avez vu sur les premières lignes, toi, tu gardes le flanc à la cavalerie. Maintenant, il y a quand même... là, ici, il y a un centre, mais vous avez deux points d'appui avec les forêts sur le flanc. Ouais, puis on a une grosse artillerie au centre. Voilà, grosse artillerie au centre. Donc, on se doutait un petit peu qu'il n'y aurait pas de grosses attaques là, parce qu'il faudrait que traverse la rivière après aller sur l'artillerie, c'était un petit peu compliqué. Ouais, c'est vrai que le meilleur moyen, c'est quand même de progresser sur le flanc, oula, les attaques. Ouais, là, on voit que bon, certes, ils sont en train d'attaquer une forêt, mais ils peuvent avancer dans la forêt, à ce moment-là, ils n'auront pas de dérangement. À mon avis, on n'a pas dû entendre ton commentaire dans quand je suis à Rhin comme ça des unités. Ah, il dit qu'il tirait bien justement. Ouais, ils en font du potin. Ouais, c'est le côté immersif du jeu. Non seulement tu conduis tes unités, mais en plus tu as tout ce côté ambiance. Ouais, c'est les nouveaux tirs ça. Ouais, il y a des gros combats quand même. Hop là. Ah, et là, on a vu la grosse cavalerie arriver, on a compris rapidement que ne pas rester là. Ouais, l'avantage c'est que tu cours plus vite. Ouais, mais il n'avait pas que la grosse cavalerie, il avait aussi une petite cave à côté. Ouais, il aurait pu accrocher pour te garder. Donc toi, t'es là avec ta cave, t'es un peu ouais, au fond ici. C'est un peu partout le cave. Après, les joueurs te communiquent un peu le... Ouais, voilà, en fait ce que je fais, c'est que je laisse de la cavalerie à côté d'eux, et quand ils ont besoin de ma cavalerie, ils me disent... sa cavalerie là... Voilà, je suis concentré sur là où il y a le bon combat. Quoi. Là pour l'instant, il y a un gros combat. Il n'y a pas trop d'artillerie en face, vous en avez chopé, mais. Ouais, on a eu ce qui était au milieu. Après, le problème, c'est que l'artillerie côté français, elle est quand même un peu chère pour ce que c'est dans certains corps, quoi. Notamment dans le corps de Davou, il y a de la très bonne artillerie, mais elle coûte vraiment très très cher. Quand tu vois ce que tu peux avoir comme infanterie pour le même prix, bah, ça donne pas envie de prendre. Là, c'est un, là, le front, la ligne de tir. J'entends des charges à droite, à gauche, là. Ah, c'est ici, c'est le Westphalien. Ouais, c'est une cavalerie, là, il y a pas bon. Là, c'est le fameux petit cuirassier Westphalien dont je parlais. Ah ouais, je me disais, tiens, ça tire. Je crois que c'est de l'autre côté que ça commence à être en plus. Allons voir ça. Hop. Voilà, il commence à prendre un peu cher au tir. Et on voit qu'il y a des mouvements d'unité qu'il avait en réserve, là, sur le tir à gauche. Je crois que c'est un grenadier. Peut-être une compagnie, là. Mais au final, déjà, ça va quand même être la charge. Vache.
arriver, il faut arriver en proximité. Tu peux toujours causer, hein, on t'entend pas. Vas-y, on a la mêlée qui commence à s'engager un petit peu sur toute la ligne là. Ah non, il y allait, il a de la réserve hein, aussi. Hein. Nous on a plus beaucoup de réserve derrière, enfin beaucoup de réserve d'infanterie. C'est pour ça qu'on va essayer de vraiment utiliser le fait que dans la forêt, si tu restes, on n'a pas trop faible pour vraiment être dans la zone. Ah, est-ce qu'il y a autour? On voit le cuirassé qui s'est collé à la mine là au bout du temps là. Il est là depuis 5 minutes. Mais, voilà, ils prennent eux, il y a l'artillerie qui est là, je pense. Ouais, tout à fait, l'artillerie là, il leur fait pas mal de dégâts. Et ils sont retrouvés assez isolés au final du reste de leur armée. Ils sont pas. En fait, c'est ça le problème avec les Français qui commencent à avoir, c'est qu'ils ont leur droite qui est jouée de la gauche. Et je pense qu'ils n'attaquent pas vraiment de sur la gauche qui est en train d'être perdu parce qu'on n'a pas assez de droits. Voilà, ça continue au tir sans trop d'événements. Ouais, il vient de taper aussi. Ouais, je crois qu'il a pris une artillerie là. Ouais, il y a un chariot. Je vais rester ici quand même parce que ça dégage quand même du ouais, côté russe. On voit qu'au final il n'y a plus grand chose en vie. En tout cas, il y a pas d'infanterie à poursuivre. Hein. Il y a ce qui reste ici. Oui. Nous sommes battus en retraite. En fait, le problème, c'est que leur infanterie, elle vient de sortir de mêlée, elle est fatiguée, elle n'est pas en état de charger. Et nous, bah, elle est pas vraiment là, quoi, leur infanterie. Donc, au final, on se retrouve un petit peu bloqué. Ouais, vous restez dans la forêt. Il y a un gros cuirassé qui s'est foutu dans la forêt, mais le cuirassé là d'une forêt, quoi, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus. Il est un peu vulnérable là, faut sortir d'infanterie ou sortir de dragon. Ils sont sur Allez, grosse mêlée là sur. Hop là, là-bas. Ah, y a les. Ouais, des caves qui arrivent un petit peu derrière, et en fait ce qu'ils ont fait de bien c'est que c'est coordonné leur attaque des deux côtés. Donc je peux pas envoyer des dragons d'un côté pour sécuriser le flanc, faut que les attaques des deux côtés à la fois. Les dragons ils peuvent pas être des deux côtés. Ouais. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Là t'as des mauvaises nouvelles. Voilà, du coup j'ai décidé d'essayer d'engager un combat de caves sur un côté pour pouvoir libérer les dragons de ce côté-là et vraiment pouvoir envoyer de l'autre côté. Gagné mais pas largement. Ouais. Ouais, il avait pas la cave, voilà, la ligne. Il laisse des plumes, après ça permet de mettre des feux sans, ouais, sans feu les en Russes, réponse. Ils prennent quand même du dégât les Russes, hein, ils sont en arc de cercle tout à l'heure, c'est pas idéal. Là on voit qu'on a un trou mieux d'autres là où il y avait l'artillerie tout à l'heure. Le problème c'est que la ligne du milieu là, c'est de l'artillerie, c'est très bien. Alors, j'ai un peu baissé le son, hein, histoire qu'on sature pas. Ah ouais. Les Portugais sont allés jusqu'à... Ah, ils devaient pas être hyper motivés pour y aller, les gars. Je pense pas, non. Après, je connais pas l'histoire de l'unité en détail, donc je sais. Non, non, et puis là, ouais, Portugais, quand ils étaient quand même bien soutenus par les Anglais. Ouais, ça pousse quand même côté français, hein, ça progresse. Les Français commencent à réavancer un petit peu dans la forêt. On a réussi à ramener 2-3 unités qu'on a trouvées un peu partout derrière pour qu'on mette la brèche, quoi. Ouais, c'est un peu tendu.
Allez, les unités françaises sont quand même moins. Ouais, là, elles ont vraiment baissé en taille. Hein. Ouais. De ce côté-là, bah, toujours le problème de la batterie qui Ouais, là, doit. grosse batterie qui commence à faire des gros dégâts. Et en fait, là, ils se retrouvent dans une situation où leur droite est avancée, leur gauche est avancée, mais leur centre est reculé à cause de la batterie. Donc, ils sont un peu bloqués par ça, quoi. Là, en tout cas, c'est bien joué parce qu'ils ont vraiment pulsé la partie depuis le début. Ouais, là, ils nous ont bien poussé, ils nous ont empêchés de vraiment manœuvrer comme on voulait. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est que leur attaque des deux côtés, comme je disais, a empêché que les dragons puissent soutenir un côté puis l'autre. Ouais. Ça a vraiment monopolisé les dragons d'un côté et de l'autre en même temps. Donc, Ah, ça a c'est fait qu'on toute a la pu. difficulté d'avoir un corps d'armée de cavalerie entre les mains d'un joueur. C'est chaud, hein. Et là, on voit qu'ils ont quand même encore de la cavalerie, eux, donc c'est pas tranquille, tranquille. Ouais, qui elle est tranquille, tranquille, au repos. Ouais, Ouais, ils sont en train de se reposer du coup parce que c'est long. là. Il y a encore de grosses unités françaises qui arrivent sur le front. Voilà, vos batteries leur ont posé de gros soucis quand même. Bah surtout qu'en plus elles sont légèrement en hauteur, donc ça fait qu'il y a vraiment quasiment tous les boulets qui touchent. Ah, tu vois, eux ils en ont, mais c'est de la petite, hein, c'est De la suite, je du pense. 6, ouais. Ouais, l'artillerie aussi, je crois que c'est Ah, il a vu la batterie, hein. Tu m'étonnes que ça l'énerve. Ouais. Là, il a réussi à atteindre. Ah, il tient bien. Ah ouais, parce que ouais, en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est que la cavalerie était fatiguée. Elle a récupéré, donc elle a pas pu vraiment faire une charge. Ouais, elle a pas eu l'impact. Surtout dans une forêt, voilà. Ouais. Artillerie à cheval, je crois que c'est la. Elle a même pas été démontée. Ouais, étonnamment. Ah, c'est ça, c'est l'impact a été vraiment au bout du genou et. Alors, on va peut-être aller voir. Donc là, on voit que le russe a un peu reculé de la forêt et le westphalien il a un peu reculé. Ouais, là, c'est dur pour le Westphalien. Il a bien poussé hein, quand on voit la ligne qui était Ouais. là. Seconde ligne, bah ça doit être du russe mélangé au Westphalien. Et Ouais, je crois que c'est puis. celui-là. Ouais. Enfin, ouais. En tout cas, ouais, là, ils commencent à vraiment à reculer parce que les pertes avec leur tirée d'infanterie, c'est assez énorme. De toute façon, là, c'est assez clair que la seule attaque qui peut passer, c'est de ce côté-là. Ouais. L'autre côté, ils n'ont pas les troupes qu'il faut pour faire ça. Ils ont du monde encore. Hein. Ça pousse, mais les pertes sont sévères quand même. Ouais, là, Ouach. le problème, c'est qu'ils sont vraiment en contrebas devant l'artillerie, Ouais. c'est compliqué. Donc. Là, on a une nouvelle attaque de l'artillerie avec une terre qui est encore plus fatiguée. Là, elle n'arrive même pas au contact. C'est assez fatigué. Ah, et puis il y a la forêt, donc de toute manière, le passage est quasiment impossible parce que limite une C2, mais Là, du coup, cuirassier. leur cavalerie a été engagée, ce qui nous permet de passer carrément derrière moi et tout. Quand même des carrés qui font que je peux pas arriver. Là, je crois qu'ils vont nous faire leur dernier tour là-dessus. Le problème qu'ils avaient, c'est que vu qu'on était dans la forêt, leur cuirassé n'était pas vraiment adapté à la situation. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de se mettre dans la forêt, parce qu'on aurait pu défendre le passage de la rivière, mais ça fait que leur cuirassé aurait pu charger un petit peu en dehors de la forêt, quoi, donc ça aurait été plus violent. Ça commence à tirer la langue de tous les bouts là. Ah, et puis comme l'objectif n'est pas quand même de perdre ces unités pour ne plus les retrouver pour les phases suivantes. Ouais. Après, bon, les corps engagés là, à part Davout et Murat, c'est pas vraiment les corps les plus puissants non plus, donc c'est pas critique, je pense, à leur traîner. Les coordonnées là qu'on voit actuellement, et les Westphaliens qui étaient sur la gauche, c'est des corps qui sont pas forcément mauvais, mais c'est pas non plus les meilleurs corps. C'est curieux que ils aient pas attendu, après elles étaient peut-être super lentes, l'arrivée de leur artillerie pour soutenir un peu les attaques. Ça Ouais. c'est une 3 ou une 6, mais pas. Enfin une 3. Peut-être une 4, je sais pas.
Non, ça, non. Bah pareil, elle est. C'est une artillerie à cheval, elle est buggée ou. Ouais, je crois que celle-là elle s'est bloquée, ou alors ils vont bugger. Ah. Je pense qu'elle est buggée parce qu'elle place une infanterie ouais, qui va tirer dessus. Ouais, j'espère que vous... là, ils ont plus les forces nécessaires pour vraiment attaquer. Par contre là on a perdu quelques mètres. Là l'élan il a été un peu. Oh merde. Ah, ça serait con là. Ils viennent à peine de la placer. Enfin, c'est que là ils ont plus vraiment de cavalerie pour la protéger donc c'est vulnérable au moindre. Ouais t'arrives, t'es un peu mou du genou mais les. Ouais, les artilleurs ont une. Ouais, ils ont une tendance suicidaire. Dommage. Ouais, là, de l'autre côté, je crois que sur la droite c'est un peu en train de se finir. C'est pas dans la simplicité, hein. Il y a eu un vrai combat là. Ouais là ça a été compliqué hein. Tant pour un côté que pour l'autre côté, je crois. Il nous reste encore quelques unités, mais là le problème principal c'est la fatigue parce que le combat a foré. Vraiment ça a duré longtemps et donc les unités ont fatigué énormément pour ça assez de vie. C'est pas grave pour les deux côtés, mais vu que nous on est en défense, on peut se permettre encore beaucoup de cavalerie pour aider les combats. Mais, ouais, vous êtes moins fatigué sur des charges, sur des mouvements d'assaut. Ouais, parce que tu vois, par exemple le fait de courir en forêt pour charger. Bah, vu que l'unité est plus lente, ça fait qu'elle va courir plus longtemps, donc rien que faire une charge, l'unité va peut-être passer à Wounded. A partir de là, une unité Wounded, ça va encore, mais dès qu'elle passe à Fire Red, elle fait beaucoup moins de dégâts à mêlée. Donc, du coup, la mêlée dure plus longtemps, puisqu'elle fait moins de dégâts, et donc la stratégie est plus. Donc là, en plus, ils sont obligés de laisser les unités en arrière pour protéger des dragons, donc ils peuvent pas envoyer leurs unités qui sont encore un peu plus longtemps. Ils sont harcelés. En fait voilà on voit il doit être 50 d'alité à tout casser alors qu'au début j'étais plus 120 mais un peu la limite. Alors là c'est le général, c'est le rural humain qui charge. On le reconnaît bien là. Bon ça serait con qu'il meurt. On va dire qu'il ne fuit pas. Il fait un mouvement de retraite. Il se positionne, voilà. Après, pour le coup, il y a une règle un peu spécifique avec les généraux, c'est que tant que le général est pas mort lui-même, vu qu'il est pas mort, on considère que l'unité peut être reprise. D'accord. Ouais, il a... Lui, c'est pas comme pour les unités. Là, ça doit être Juno. Qui commandait le corps de son. Ça, c'est la petite cavalerie d'élite. Ouais, les gardes du corps. Bon, ils ont du monde à s'être reformés derrière, après t'as nous des avons troupes. Tué leur général, monsieur. Allez, on commence. Nous allons les briser, c'est sûr. Je sais pas qui c'est. Ah, je crois que c'est Murat qui a refait une charge et qui est mort. Ouais, là c'est ça. C'est Murat qui est mort là. Il a été pris à revers par une cavalerie adverse. Oulala. Pour le coup, ça va être un truc qui va un petit peu leur poser problème parce qu'ils pourront pas le reprendre par la suite. C'est un peu embêtant pour eux vu que c'est le seul général principal du corps de cavalerie, donc après ils vont être obligés de prendre des généraux de cavalerie pour être le général principal. Nos hommes battent en retraite. Les tirailleurs qui tiennent bien à la charge au final. Ouais, carrément. Après t'as dû arriver un petit peu mou du genou là. Oui, la cave était un peu en train de. Voilà, le centre là face à l'artillerie ça fait un coup. Ouais, l'artillerie a vraiment été. L'arme suprême du sang. Surtout la combinaison de l'artillerie, plus la forêt, plus l'infanterie, voilà. Ça, c'est un bon avis. Ils auront donné les généraux français. Ouais.
Ah voilà, le problème c'est qu'ils sont peut-être un petit peu surprendre par le, voilà, la déconfiture du front et ils ne sont pas forcément rendus compte à quel point ils allaient être menacés rapidement. Alors là du coup il reste en gros plus que le corps de nez et le corps westphalien avec quelques petits éléments peut-être relus d'un bout qui sont pas voilà, dans la forêt. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Là, clairement, voilà, là, ils peuvent plus vraiment. Ouais, et puis. Vraiment attaquer, quoi, ils ont plus de force, ni ça. Toujours ces batteries. On voit que l'infanterie russe sur le centre, elle est vraiment pas en bon état non plus. Ah non, c'est clair, mais après, vous avez. Des unités, là. Ouais. Après, elles avaient la capacité de fondre, alors que les unités françaises partent d'un nombre beaucoup plus petit. Pas forcément pour le coup, pour le corps d'Abou, il me semble que les Français sont quand même plus nombreux que ce que tu vois. Je pense que la moyenne pour d'Abou, ça devrait être à peu près 120 personnes par zone par unité. Et les Russes, c'est à peu près pareil hein, pour le coup. D'accord. J'ai des unités un peu plus grosses, mais c'est pas mal. Par contre, pour le coup, dans le corps de nez, le Westphalien, enfin, surtout le corps de nez, ouais, c'est des unités un peu plus petites. Le Westphalien, c'est. Le problème c'est que voilà, ils sont bloqués sur une sorte de glacis juste après le passage de la rivière et pour l'artillerie là c'est un peu de boulot. Après là sur la gauche du russe, il reste pas grand monde non plus hein. Ouais la gauche il ne reste pas rien, c'est pour ça que jusqu'au dernier moment on a été obligé de laisser le cave là-bas pour aider l'infanterie parce que l'infanterie russe ça sortait pas quoi mais. Ah, elle a eu quelques pertes au feu quand même, au niveau des artilleurs. Voilà. Ah, il y a la mitraille, ouais. Oh là, la 12 livres sur les 500, le mieux c'est quand même la mitraille. Hein. Ah, et puis en plus, ils ont perdu leur généraux, donc quelque part. Au niveau du moral, ça devient compliqué. Là, ils essaient de repasser la rivière, on n'a plus de cave vraiment pour les poursuivre, enfin il nous reste quelques cavaleries, mais c'est pas de la grosse cavalerie. Après, c'est pas des grosses unités non plus. Hein. Ouais, mais le Westphalien, il y a encore quelques unités assez qualitatives qui sont pas trop entamées quand même. Notamment des unités de la guerre Westphalienne. Carré. Mais qui tire pas assez vite. Ouais, là, je suis sur le point du carré avec la cavalerie. Elle va commencer à titiller tout ce qui est un peu faiblard, j'imagine. Ouais, après là, je crois que c'est même pas ma cavalerie à moi, c'est une des cavaleries de notre corps d'armée, donc ça doit être un conillier guerrière, donc c'est une cave très très faible. Pas vraiment très. Ah. Il va l'avoir, son artillerie buggée. L'artillerie est morte. Et la cave se prend une charge sur le flanc par les gardes du corps. Voilà, ils sont pas. Ah, ils auront fait leur partie. Je sais pas à combien ils partent au démarre. Ils sont pas beaucoup, ils sont une 30, 32 ou 35. Ils ont bien résisté. Ouais. Par contre, pour l'impact. Là, on commence à réavancer pour les poursuivre, mais bon, c'est déjà un peu. C'est là qu'on voit un petit peu l'étendue des dégâts. parce que pour le coup, nous, on a perdu beaucoup d'unités sur la gauche. Les unités qu'on n'a pas perdues, elles sont vraiment très affaiblies. Quoi. Ouais. Il y a beaucoup d'unités qui sont en moins de la moitié d'effectifs. Ah, le français, ouais. il a mis le paquet. Hein. À aucun moment, quand tu vois la gauche, l'hécatombe. Ah, il a fait du dégât, hein, ça c'est clair que là, l'infanterie qui était là, il a pris cher. Ouais, et puis la progression, la forêt. c'est le carnage tout autour. En gros. Après, le problème principal qu'ils ont eu, c'est que là, les cuirassés, ils pouvaient pas vraiment intervenir, donc ça leur a quand même pas mal manqué là pour attaquer la. Ouais, parce que là, charger ici, mais fallait déjà passer la rivière, reprendre son élan, et pendant ce temps-là, t'as au moins deux bordées dans la face. Donc, après, faut voir, parce que si l'infanterie est déjà passée, elle peut protéger un peu le mouvement de la cavalerie, et
éviter ça. Mais... Non, après, le boulet, il passe à travers. Ouais, non, le boulet, effectivement. Donc, ça là, pose pas de question. Ah, ils en ont sous la cuirasse, les gardes du corps, là. Hein, ils se laissent pas impressionner par la cavalerie russe. Hein. Joli détail d'uniforme, toujours. Hein. Ah, vous voulez rien laisser. Hein. Vraiment des morts de faim, les Russes. Ouais, il reste un peu moins d'un quart d'heure. Les gardes du corps sont partis. Ouais. Je crois qu'ils sont fait charger par des lanciers de la garde russe. Ah ouais, en colonne et en mouvement là, c'est pas bon. Il y a un Français là qui risque de tirer dans le tas en plus. Je crois que le Westphalien est parti dans une idée de fuite éperdue. Voilà, de toute façon, il n'y a plus rien qui peut vraiment arrêter. Et vous jouez toujours les Russes? C'est toujours les mêmes joueurs les Français, toujours ouais, les mêmes joueurs ouais. Les Russes. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Une exception ou deux peut-être, mais non, dans l'ensemble, c'est toujours les mêmes joueurs qui sont d'un côté ou de l'autre, parce que le but justement, c'est de permettre un peu d'avoir cette notion de préservation des unités, quoi. Bon là, cette bataille, on était en position défensive, on n'a pas eu trop de possibilités. Bon, les Français, ils y sont allés, hein, pour le coup, là. Ah oui, ils ont joué leur rôle, hein. Ils étaient attaquants, ils ont mais attaqué. Au final, là, l'idée de sauver des unités, ça s'est pas forcément fait in-game, mais ça s'est fait un petit peu dans le choix des unités qui ont été prises. Les Français, ils ont pris de bonnes unités avec la cavalerie, le corps de cavalerie et d'avoue, mais le corps de nez, il avait pas forcément les meilleures unités, bah, comme soldat, pour moi, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Et le Westphalien, il avait de bonnes unités, mais c'est pas non plus un corps vraiment d'élite. Donc ils ont fait le choix de prendre deux bons corps et deux corps un petit peu plus faibles pour essayer de préserver quand même des unités pour les batailles. Nous c'est pareil, hein, on n'a pas pris un des corps armés qui était disponible qu'on a gardé pour la bataille. Et après les points ils sont répartis à la bataille gagnée ou c'est à l'issue de la campagne que vous voyez? Oui, c'est à l'issue de la campagne en gros que les points se passent. Bon là c'est une bataille qui est perdue mais c'est loin d'être décisif pour le reste de la campagne. Hein. Ouais. Ils ont perdu qu'une petite partie du corps du Dabou et bon, de la cablotte qui va pas forcément vraiment leur manquer parce que elle était bonne mais c'était pas non plus la meilleure disponible. Bon. Pour le coup le corps de Westphalien et le corps de Ney sont vraiment bien rochés mais c'est pas non plus les corps vraiment indispensables. Quoi. Donc perte de généraux, perte de quelques corps d'armée, d'unités, ouais, mais pas possible. Les meilleurs. C'est, bon, ça reste une défaite, mais c'est pas, ça comprenait pas vraiment le reste de la campagne. Ça, c'est le Westphalien. Ouais, avec un uniforme de Napoléon au milieu, je sais pas si c'est là. Ouais, bon. C'est pas lui, en tout cas. Après, les troupes de l'Empire avaient quand même des uniformes, on va dire, relativement proches. Peut-être les Bavarois avec leur casque, toujours. Alors que la plupart avaient épousé le shako. Oui, après, là, on voit comme ça, ouais. Bah... Ouais, lui, c'est un Bavarois, un peu de genre, j'imagine. Donc là, ce qui fuit... Ils peuvent les récupérer, elles sont considérées non, comme non, là, ce qui fuit, ça se reforme pas à la fin de la bataille, c'est considéré comme perdu. D'accord. C'est des unités qui sont plus du tout en état de combat, quoi. Elles sont complètement désorganisées. Pas en état de combat. Bon, les seuls trucs qu'ils peuvent récupérer, c'est ce qui est encore en vie à la fin. Quoi. Ah là, les minutes, elles doivent être longues. Hein. Ouais, bon, après, là, de toute façon, je pense qu'ils ont à peu près compris qu'ils vont pas pouvoir sauver. Par quelques tirailleurs qui vont se planquer dans les forêts. Hop, disparu. Déguisé en fougère. La mine n'a pas explosé. Non, toujours pas. Hein. Ils ont bien fait le tour. Les Russes, ils savent très bien où ils ont enfoncé, où ils ont placé leur mine. Après, à l'époque, je sais pas à quoi ça pouvait ressembler. Il fallait faire péter ça à la poudre, j'imagine. Mmh.
Ouais, carabinier, je pense. Ouais. On se coucie à pied, unité compagnie d'élite des... Ouais, des infanteries légères, ouais. Un TB3, ça correspond du coup à des grenadiers qui sont beaucoup plus rapides que les grenadiers classiques. C'est beaucoup de G6 par exemple. Mais pour compenser ça, ils sont un peu moins nombreux aussi. Ce sont des grenadiers à 80 ans. En fait. Ils n'ont pas forcément les meilleurs stats. Au niveau du moral, ouais, après là, ils ont perdu leur général. C'est à peu près équivalent aux grenadiers classiques. Ça reste des compagnies d'élite. Hein, la bataille, il faut qu'il y ait l'ambiance. Allez, vous restez une log, la bataille est engagée. Bon, après vos unités, elles se comptent. Hein. Vous deviez avoir la micro-gestion facile sur ce coup-là. Ouais, bah, c'est sûr qu'on avait des armées assez petites hein, pour le coup. Mais après la difficulté, c'est qu'on a des unités qui n'étaient pas forcément non plus très très faciles à jouer, dans la mesure où c'était beaucoup d'unités avec un moral qui est pas forcément mauvais mais pas excellent. Et je crois que les seuls carrés qu'on avait, c'était certaines infanteries légères. Il me semble qu'on n'avait aucune infanterie de ligne qui pouvait faire le carré. C'était quand même légère. Ou Varov qui se fait plaisir sur les coups là. Ouais, il s'amuse. Il s'en laisse sur ce coup-là, il n'y a plus rien là, si je vois un truc rouge. Oui, il y a quelques trucs qui traînent dans les forêts. Quoi. Ah ouais, par ici. D'artillerie, toi. Là. Ouais, c'est marrant. Là, ils ont eu un problème avec leurs artilleries. Ouais, c'est pas qu'ils étaient. Elles se sont embourbées. Peut-être, ouais. Après, voilà, là, du coup, on a eu quand même des grosses pertes pour les armées jouées par Bur et Kellerman qui ont reçu vraiment le gros de l'attaque française. Côté Pyrrhus, les pertes contre Westphalia ont été quand même plus limitées. Même plutôt faibles au final, vu qu'ils sont restés beaucoup au tir, donc les unités ont vraiment fondu en effectif, mais elles n'ont pas été vraiment détruites quoi, en majorité. Donc tu les récupères à 100% de leur capacité. Par contre, au niveau cavalerie, bah là, le corps de cavalerie est quasiment complètement détruit. Nous allons les briser. Ah, bah ils ont réussi à en buter un, dis donc. Non, c'est encore eux qui ont perdu. C'est Juno là. Bon. Et oui, du coup, ouais, notre corps de cavalerie était quasiment complètement détruit. Enfin, il reste quelques unités qu'on n'avait pas pris, mais dans la majorité, le corps est plus vraiment en état de combat. Quoi. Ah là-bas. Ouais, il reste encore. Ah, ils s'en laissent pas compter les tirailleurs là, sur ce coup-là. Ouais. Ah, c'est les bonnes unités quand même, les tirailleurs français. Hein. C'est probablement les meilleurs skirmes qu'il y a de disponibles. Hein. À part quelques skirmes de la garde, tout comme ça. Ils cherchent pas trop à faire les marioles quand même. Mine de rien, ça suit derrière. Pour le coup, Mariol, qui était un soldat de la garde impériale, n'était pas présent dans cette bataille. Je sais pas si tu connais l'anecdote de... Non, celle-là, je la connais pas. Bah, c'est un soldat, je crois que c'est de la garde impériale, qui était particulièrement gros, je crois qu'il faisait 1m90. Et à l'occasion d'une revue, je crois que c'était un peu avant la fin de... Enfin, je crois que c'est un bus ancêtre, quoi. Et au lieu de présenter son fusil à la revue donc devant Napoléon, il a présenté un 42 livres. Ou 3 livres aussi. Donc Napoléon était assez surpris. Il est assez impressionné parce que c'est quand même extrêmement lourd ce genre de canon. Et c'est de là qu'apparemment vient l'expression. Faire une mariole. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'événement a vraiment eu lieu et ça plaît bien comme ça. Quoi. Après, si ça vient uniquement de là, l'expression de... Ah, ça se tient. Ah, il reste un Westphalien bien au chaud dans la maison, lui. Il n'avait pas visiblement pas envie d'aller voir les autres.
Il lui reste un petit peu moins de 4 minutes à tenir. De l'autre côté, la poursuite infernale continue, mais vous perdez vos troupes à faire les cons comme ça. Ouais, voilà, le problème c'est que là on veut essayer de finir ce qui reste, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus stratégique, quoi. Ouais, parce que là, ils ont chaud aux miches, les Russes, là, tous ceux qui poursuivent. Ah, d'ailleurs, ceux-là, ils ont compris que s'ils voulaient jouer la partie suivante, il valait mieux qu'ils se barrent. Ouais. Oh, bah, dommage. Ouais, va falloir envoyer du plus lourd hein, pour les déloger, les tirailleurs. Là. Ouais, bah là, le problème, c'est que dans la forêt, là, ils sont assez rapides, donc ça va être compliqué de les poursuivre vraiment. Là, on a un peu laissé tomber l'idée. Ouais, puis là, d'envoyer des lignes un peu plus constituées, sans trop de pertes. Le problème, c'est que voilà, on a beaucoup d'unités qui ont déjà pris beaucoup de pertes, donc on n'a pas envie de les perdre pour prendre un tirailleur, quoi. Les tirailleurs sont sauvés, mais le Westphalien, je suis pas sûr. Ouais, non, là, je crois qu'il s'en sortira pas vivant. Vous partez chercher les locks adverses ou... Non, bah là, de toute façon, on sait qu'on a gagné, puisque, comme j'avais expliqué au début, il fallait qu'on contrôle les deux locks Bah qui ouais. étaient sur la route et on les contrôle, donc il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Vous avez en visu le reste. Bon, bah voilà pour la première bataille. Donc, bon, une défaite française, mais qui a quand même été compliquée pour nous à gérer, hein. Ils ont Ah vraiment été ouais. très très agressifs et ça aurait pu marcher. Et puis là, il continue à faire des pertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a une douzaine de Russes, un peu plus d'une douzaine de Russes. Ah, ils vont aller même chatouiller une artillerie. Qu'est-ce Ah qui ouais. lui a pris d'avancer à celle-là? Ouais, c'est la grosse artillerie à 3 canons de 12 là. Ah non, Parce que là, elle a mais... fait du dégât. Ah bah c'est clair, elle a tenu une partie du front à elle toute seule. Elle a de la chance qu'ils soient timides, là, les tirailleurs. Ah, ils Ouais, sont ils de tirent dans dos, l'autre ils sont sens. autre chose. Ah, ils étaient en train de buter une autre unité. Là. Ah là, par contre, ça va peut-être les piquer un peu. Après, ils sont relativement loin, ils vont dans la bonne Oui, alors, de toute direction. façon, là, il reste plus que quelques secondes, je crois, à la fin de la game. Donc, 1 minute, minute, bah, 59 attends. secondes, ouais. Hey. Enfin, c'est un petit peu long, la fin, parce qu'au final, il n'y a plus trop de combats, mais... Bah oui. Et au final, ils ont quand même réussi à éviter une défaite totale, et ils ont sauvé quelques unités. Bon, pas beaucoup, mais c'est toujours Et ça de fait, quoi. ça donnerait quoi le fait de la défaite totale? C'est juste la perte totale Non, de... c'est juste qu'ils auraient perdu bah, encore plus d'unités, quoi. Donc c'est pas forcément une perte. Ils auront des tirailleurs pour la prochaine bataille. Et pour le Après, reste... faut voir que là aussi, c'était une bataille où c'était l'Empire qui poursuivait les Russes. Donc le fait que l'Empire perde, ça n'a pas forcément de conséquences, vu que, en gros, ils arrivent pas à poursuivre les Russes, Ouais, c'est ça que ça veut dire. la Donc poursuite a échoué. voilà, la poursuite a échoué, mais ça n'a pas forcément de conséquences outre mesure, quoi. Ah, puis là, c'est le début de la campagne, donc il y a quand même du monde. Oui, là, il y a encore du Il y a monde. encore du C'est monde l'entrée de derrière. la garde russe. Ouais, Ouais, moi je regardais les champs, je me disais c'est ah, sympa ça. pardon. C'est ah, le détail, même le blé a été. Ouais, c'est une map qui a été faite par Boulero. Joli. Hop là, alors les stats, on va aller les voir. Je vais juste regarder les statistiques. Donc c'est ton replay. Ouais. Donc Et là, on oh la voit qu'il y a des vache. dragons qui se sont fait plaisir quand même. Ah oui, après, c'est fort logiquement que c'est dans la poursuite des unités défaites que ça fonctionne. Ouais. 207, lui, c'est... Allez, on va voir le score du coup. On va aller direct sur notre Discord. Le voilà, le tableau des scores. Donc, bah, tu l'as aussi, toi, sur le Discord. On retrouve Kellerman qui a souffert, mais qui a quasiment un peu moins de la moitié de ses troupes de préservées. Or, Bure, lui, il a pris sévère quand même. C'est clairement Kellermann et Bure qui ont vraiment pris le gros de l'attaque française. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là, on voit les pertes numériques, mais
C'est assez différent du coup, suivant s'ils ont perdu C'est ça. carrément des unités totalement ou s'ils ont seulement perdu Ouais, c'est vraiment un ça. peu toutes les unités, quoi. C'est pour ça que là, on voit que Pyrrhus, il a pratiquement les mêmes pertes que Kellerman, mais pour autant, il a perdu beaucoup moins d'unités. Il a beaucoup d'unités à très faible effectif qui ont survécu, mais qui sont pas en bon état, quoi. Et là, de l'autre Bon, et moi, côté, j'ai perdu pratiquement bah tout ouais, avec Kellerman. toi, oui, là, quand on voyait les lanciers de la garde, enfin, les Cosaques, je pense que c'était les Cosaques de la garde, non? Oui, je crois que c'est enfin, ouais, c'est les cadavres Kazaki, les Gardi Kazaki, ouais. Et là, pour Coquin, ben, chaud patatin, il reste. Ouais, il a perdu du monde. On voit que c'était vraiment un gros corps d'infanterie avec 2400 hommes Ouais. de déployés, ça commence à faire beaucoup. Ouais, parce que là, on a vu les troupes. En fait, c'est les troupes qui couraient, qui étaient encore possiblement survivantes, mais ralliées plus, général mort. C'était assez Ouais, elles étaient compliqué. à moins de la moitié de l'effectif, hein, je pense, hein, largement. À Denver, Et il a sur mis la la fin. wash quand même avec son corps d'armée. Hein. De quoi? Denver, Ah oui. il a bien taffé. Ouais, et c'est pour ça qu'on voit qu'au final, il a fait que 359 kills, mais au final, ce qu'il faut voir, c'est la manœuvre qu'il a fait. C'est Sur le clair. flanc, ça a bien menacé notre flanc, ça a mobilisé pas mal de dragons, toute l'armée de Pyrrhus, et il a quand même bien tapé sur Pyrrhus, quoi. Donc, c'est pour Bon, ça que ben. là, faut pas forcément se fier Ouais, c'est aux ça, unités qu'on a. le tableau des scores donne une idée des pertes de l'action. Mais au final, comme le but c'est de retrouver ces unités et de jouer avec le reste des corps, rien n'est fait. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le nombre d'hommes déployés. On voit qu'eux, ils avaient vraiment deux armées d'infanterie très massives, le Westphalia un petit peu moins, et après une armée de cavalerie. Nous, on avait trois armées d'infanterie qui étaient à peu près moyennes et une armée de CAF, quoi. C'était assez Avec incroyable. l'emploi de l'artillerie bah, posée en phase défensive, l'offensif pour le français lui a pas permis de la jouer comme ça. Bon, bah, on en fera d'autres hein, de cette campagne, puisque Ah, tout à fait, il y en a encore 4 autres. il y en a encore. Donc, bah, merci en tout cas d'avoir monté le projet et puis bah, d'avoir Pas de problème. co-commenté. C'est cool. Et puis, bah, on se dit à bientôt dans ces cas-là. Au revoir. Salut Valentin et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Napoléonique et d'autres jeux éventuellement. Salut, bon jeu à tous et à toutes.